Bonsoir. Je viens de finir un direct là. Mais je fais ce direct encore parce que il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas. Alors, c'est à vous de partager et de mettre des cœurs massivement sur ce direct. Mettez des cœurs et partagez. Souvent, on veut se taire. Souvent, on ne veut plus parler. On veut regarder les choses se faire. Parce que les personnes comme moi ne font pas la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Mais, quand il y a des choses qui sont très bizarres, il y a des choses qu'on voit d'une manière, c'est-à-dire que c'est tellement bizarre. On cherche à comprendre, on n'arrive pas à comprendre. Hein? S'il vous plaît, partagez ce direct et puis allez-y, dis à Alassane Draman Ouattara et sa femme Dominique de venir expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce qui se passe. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses que je ne comprends pas. Ah! Wallahi bilahi. Donc, Draman, quand les gens disent que tu es burkinabé, que tu n'es pas ivoirien, que tu n'aimes pas les Ivoiriens, là, ils ont raison. Hein? Nous-mêmes, on était en train de dire aux gens, arrêtez de dire ça. Oh! Le monsieur là, c'est un Ivoirien. Laissez-le. Votre affaire de politique, vous gâtez le nom des gens là. Laissez Draman tranquille. Nous, on est en train de dire ça aux gens déjà. Mais ce n'est pas possible. Le premier président africain qui reçoit Zemmour. Zemmour, le plus raciste de la France. Qui est même plus raciste. C'est-à-dire que lui, pour lui là, il a dépassé Jean-Marie Le Pen. Zemmour a dépassé Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que pour lui là même là, arabe, noir, étranger, musulman, ce ne sont pas des personnes importantes à ses yeux. Et voilà. Alassane Draman Ouattara, c'est toi qui as accepté le. C'est-à-dire que c'est toi qui fais publicité de Franc Héros, là. Dans toute l'Afrique. Parmi tous les présidents, hein, c'est toi qui es devenu porte-parole de Franc Héros. Maintenant, là, peut-être que toi et puis Emmanuel Macron, entre vous, là, ça ne va pas. Si tu as des problèmes avec Emmanuel Macron, tu cherches quoi? Associé. Alassane. Si tu cherches à associer, cherche une autre bonne personne. Tu étais camarade avec, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy. Agouti. Nicolas Agouti. Tu étais camarade avec Nicolas Agouti. Vos histoires, ça s'est mal passé. Ou bien, je ne sais pas comment, où vous en êtes. Tu as attrapé la main d'Emmanuel Macron jusqu'à toi-même qui es plus vieux qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est devenu ton papa. Un petit pépéro de rien du tout. Quand nous-mêmes, on n'est plus âgé que lui là. Quand tu vois Emmanuel Macron, tu attrapes sa main comme ça. On dirait un bébé qui marche avec son papa. Tellement même que tu comptes sur les gens. Yeah! L'Europe. Et maintenant là,
Maintenant, drama. Ce que tu es en train de faire là. Zemmour là, il n'aime pas arabe. Il n'aime pas lui-même là. Il a des origines, si je ne me trompe pas, un peu algérienne. Peut-être que c'est le cousin de ta femme. Peut-être que Zemmour est le cousin de ta femme. Peut-être que Zemmour là, il est parenté en cachette avec ta femme. On va fouiller là. Zemmour est en quelque sorte parenté avec ta femme. Sinon, tu ne peux pas faire des choses pareilles. Quelqu'un qui est en train de battre campagne, toute la France même, même les Français même ne le supportent pas. Il est raciste jusqu'à il n'y a pas le reste. Jusqu'à il dit, celui qui s'appelle Mamadou, qui est musulman, il est venu en France et n'a qu'à changer son nom, il n'a qu'à s'appeler Jean Bertrand. Il ne veut pas supporter nos soeurs musulmanes qui ont le voile. Il ne veut pas les voir. Il n'aime pas les noirs. Il n'aime pas les arabes. Il n'aime pas les étrangers. Il dit que lui-même, là, il va ramasser les étrangers pour les jeter chez eux. Mais toi, Alassane Dramane Ouattara, tu es le premier président africain qui ouvre les portes, qui reçoit Zemmour. Mais on a, il y a quel problème? On t'a fait quoi? Donc, quand les gens disent que tu es un Burkinabé et que dans ton gouvernement, là, tous ceux qui sont dans le gouvernement, là, Kandia Camara, guinéenne, l'autre petit Bekbero qui ne connaît pas son village là, malien, l'autre là, photocopie, c'est ton frère, Burkinabé. C'est-à-dire que, vous là, quand ça là va finir là, et que vous allez, on va changer à faire de politique en Côte d'Ivoire là, celui qui va être candidat là, s'il a une femme étrangère, ne le prenez pas. Parce que ces petits enfants vont venir vous limer prochainement encore. Tu es ivoirien. Tu dis que tu veux être président. D'ailleurs, ne mettez plus quelqu'un dans le gouvernement, quelqu'un qui a double nationalité, là, ne l'acceptez plus en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est là et puis, on ne sait pas s'il est blanc, s'il est camerounais, s'il est quoi. D'autres même sont là, ils veulent être président. Mais leurs femmes là, elles sont du Cameroun, leurs enfants sont camerounais. C'est le Cameroun qui va venir vous prendre. Ou bien c'est le Gabon, ou bien c'est le Congo. Ou bien c'est un autre pays qui va venir prendre en Côte d'Ivoire. Si vous ne faites pas attention. Quand Alassane Dramane va partir là, celui qui n'est pas ivoirien à 100%, qui n'a pas vécu en Côte d'Ivoire, qui n'est pas, on va dire, ivoirien là, refusez-le. Parce que quand les gens disent que Alassane Dramane est burkinabé, quand on parle, on dit, hey, vous êtes xénophobe, c'est pas vrai. Allez-y au Burkina. Allez-y au Burkina. Quelqu'un qui n'est pas burkinabé à 100% peut pas être dans le gouvernement du Burkina. Allez-y, mettez les cœurs dans ce direct là. Allez-y au Ghana. Un étranger ne peut même pas même rêver venir être dans le gouvernement ghanéen. Allez-y dans plusieurs pays. Tu n'es pas du pays, tu n'es pas natif de ce pays. Même ici en France. Tu as double nationalité, même si tu as la nationalité française. Toi noir là, ou toi arabe là, on ne te verra jamais président de la République dans le gouvernement. Ça ne peut pas arriver. Même ici en France. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'un Malien peut venir gouverner les Ivoiriens. Il ne connaît même pas son village, il gouverne les Ivoiriens. Un Burkinabé ne connaît pas son village, il gouverne les Ivoiriens. Une Guinéenne, elle a conçu des universités chez elle, elle a conçu des écoles chez elle, elle ne fait rien en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Aucune université elle a construit. Kandia Camara, elle prend son argent pour donner à ses frères guinéens. En même temps, elle est ministre en Côte d'Ivoire. L'autre là, il a construit des grandes choses au Mali. Il est au Mali. Il a construit des trucs, son argent. Il a même plein de choses. Le petit qui dit que sa maman est née en Côte d'Ivoire, ou bien il est ivoirien, il ne connaît pas son village là. Et c'est, ils ont investi dans leur pays. En Côte d'Ivoire, ils n'ont rien fait. Mais ils maltraitent les Ivoiriens. Alassane, tout dernièrement, tu as cassé les maisons des pauvres Ivoiriens. Tout dernièrement, des femmes sont en train de pleurer pour dire qu'elles n'ont pas de l'eau à boire.
Vous avez envoyé les militaires les matraquer, les frapper. Mais Zemmour, là, il fait quoi en Côte d'Ivoire? Zemmour est en train de battre campagne présidentielle. Donc, c'est toi seul à la salle, l'argent des Ivoiriens, le pauvre Ivoirien qui souffle là. Tu vas prendre leur argent pour donner à Zemmour, pour que Zemmour aille battre campagne, pour être raciste contre tous les Africains du monde, pour être raciste contre les Arabes, pour être raciste contre les musulmans. C'est l'argent des Ivoiriens. Toi, Draman, Asiosu Draman, tu vas prendre ça pour donner à Zemmour, pour que Zemmour vienne battre campagne. Mais pourquoi vous êtes sorcier comme ça? Pourquoi toi et puis ta femme là, vous êtes méchants comme ça? Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Maintenant, c'est quelle image vous donnez aux Ivoiriens dans le monde entier? Nos frères africains, nos frères arabes, nos frères des autres pays vont dire, oh vous les Ivoiriens là, vous parlez seulement, c'est vous qui avez reçu Zemmour chez vous. Vous êtes en train de soutenir Zemmour à battre sa campagne. C'est vous qui aidez Zemmour. Vous êtes des faux types. Tous nos frères africains du monde entier, tous nos frères arabes africains, les Ivoiriens vont être bizarres dans leurs yeux maintenant. C'est-à-dire qu'ils vont nous regarder comme des extraterrestres. Et puis voilà des gens comme ça. Un homme comme Zemmour les insulte. Un homme comme Zemmour les parle mal. Et c'est eux qui le reçoivent. Et c'est l'argent des pauvres, l'argent des gens qui souffrent. Les étudiants là, t'attendent, ils ne te voient pas. Les mamans qui n'ont pas de l'eau, t'attendent, ils ne te voient pas. Ceux qui ont cassé leur maison, t'attendent, ils ne te voient pas. Et c'est l'argent des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, toi et ta femme, et tes brigands étrangers que tu as mis autour de toi là. Vous prenez pour faire vos business, vous croyez dans un Far West. Il y a un temps pour tout. Cette année 2022 là, je prophétise en ma qualité de prophète. Dieu va vous ennuyer. 2022 là, le Dieu des Ivoiriens va vous ennuyer. Parce que vous n'aimez pas les Ivoiriens. Draman, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Tu dis que tu aimais les Ivoiriens, tu ne les aimes pas. Il y a des jeunes qui cherchent du travail, non pas. Il y a des gens qui souffrent. Et c'est l'argent des Ivoiriens. Zemmour, là, il est parti pourquoi? C'est pour que vous lui donnez l'argent. On ne va pas se mentir. Alassane Draman Ouattara est en train de prendre l'argent des Ivoiriens pour donner à Zemmour le raciste, à son néon de Pinocchio là. Il est en train de lui donner l'argent des Ivoiriens. Zemmour n'a plus d'argent pour battre sa campagne. Donc Alassane Draman Ouattara et sa femme ont décidé de prendre la nourriture des Ivoiriens, l'argent des Ivoiriens, pour donner à Zemmour le raciste, pour qu'il vienne battre campagne. Vous qui êtes au pays, quand on parle, vous insultez les gens là. Tu es RHDP, non? Tu es RHCC, hein? Mon frère, tu vas t'envoler pour venir en France si Zemmour est président. Tu vas devenir aigle. Tu vas t'envoler comme ça jusqu'à puis tu vas tomber en France. Aucun étranger, aucun Africain ne va avoir de la valeur encore ici en France. Vous n'avez pas compris, hein? Vous avez critiqué Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Vous là, vous les féticheurs du Bénin là, les petits brouteurs là, il y a longtemps je ne suis pas, hein. Ne venez plus sur mon direct faire vos publicités à la con là. Si ton fétiche là est puissant là, il n'a qu'à te donner l'argent sans publicité. Quittez dans mon direct. Bande de voleurs, de brouteurs, que mon Dieu vous frappe. C'est toujours le Bénin, toujours le Bénin. On entend faire direct net les petits escrocs voleurs du Bénin là. Marabout ceci, portefeuille ceci. Toi tu as la possibilité de faire portefeuille pour avoir l'argent et puis tu vas venir faire publicité. Bandit, voleur, escroc, que Dieu te gifle. Alassane Draman Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Aujourd'hui là,
Je viens de m'en rendre compte à 100%, à 200%. Alassane Drama Ouattara n'a plus d'excuses. Ceux qui sont RHDP, ceux qui sont ceci, quand on parle, ils sont là. Drama, c'est notre fétiche. Drama, c'est notre fétiche. Ton fétiche là, il est en train, il est en train de donner l'argent à Zemmour le raciste. Zemmour qui n'aime aucun noir. Zemmour qui n'aime aucun. C'est-à-dire que il est en train de donner l'argent pour que Zemmour vienne battre campagne, il va être président. Et puis toi et tes enfants, vous n'allez plus jamais mettre pied en France. Vous qui êtes déjà en France. Et puis vous dites, Drama, c'est notre Dieu. Ils vont vous ramasser pour vous jeter un à un. Moi, quoi, moi, je m'en fous. Moi-même, je vais aller en Afrique même. Moi-même, la soeur me ramasse là. Elle dit, oh, merci de m'avoir rendu service. Moi-même, j'ai envie de retourner chez moi. Je vais aller en Afrique. Vous qui voulez venir en Europe là, et puis vous êtes là-bas, Alassane, là, vous allez voir clair maintenant. L'argent des pauvres. Quand nos mamans étaient en train de pleurer, on veut de l'eau, on veut de l'eau, on veut de l'eau. Vous avez à faire quoi? Ce n'est pas des militaires qui sont allés les chicoter. Les maisons des pauvres vous cassez. Vous raquettez l'argent des Ivoiriens et vous nourrissez vos femmes, vos enfants, vos ministres étrangers. Ils ont tous des maisons. Ils ont des empires dans leur pays. Celui qui est malien, il a un empire sur lui. Celui qui est guinéen, il a... Le gouvernement est rempli que d'étrangers. Le gouvernement est rempli d'étrangers. Excusez-moi. Souleymane Aegui. Il y a longtemps, je n'insulte pas. Mais que Dieu maudisse ton père, qu'il maudisse ta mère, qu'il te maudisse et qu'il maudisse tous les gens de ta famille. Toi-même là, tu es maudit. Ne viens plus jamais sur mon direct pour faire ce coquerie, brouteur. Voilà. Parce que quand on ne vous répond pas là, vous croyez qu'on n'a plus de bouche. Des escrocs comme ça là. Toi, tu peux donner l'argent à quelqu'un et puis toi, tu viens faire publicité pour donner l'argent à quelqu'un. Mes frères ivoiriens, il est temps que nous ouvrons nos yeux. Alassane Drama Ouattara ne nous aime pas. Alassane Drama Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il fait de bon même pour les Ivoiriens? Les Ivoiriens, ils ont quel travail? Les jeunes ont quoi? Leur avenir là, c'est quoi? Zemmour, son nez, on dirait Pinocchio. Sa tête, on dirait, ils ont pris moustique et puis ils ont aplati comme ça là. Il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sa bouche qui sent mauvais. Et puis il ne respecte aucun noir, aucun arabe, aucun musulman là. Il est en Côte d'Ivoire. Draman, Asiosu Draman, avec sa femme vampire Dominique. Ils vont recevoir le monsieur là. Ils vont lui donner la manger des Ivoiriens, l'eau des Ivoiriens. Mais Zemmour, tu n'as pas dit que tu n'aimes pas les Noirs. Tu vas faire quoi là-bas? C'est pour ramasser notre argent, l'argent de nos parents, l'argent des pauvres. Zemmour va ramasser ça pour venir battre campagne. Zemmour est parti ramasser l'argent des Ivoiriens pour venir battre campagne. Sinon, il est parti faire quoi? Vous croyez qu'il est parti faire quoi? C'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est parce que Zemmour aime les Noirs qu'il est en Côte d'Ivoire? Vous croyez que c'est parce qu'il aime les Ivoiriens? Vous croyez que c'est parce que Zemmour, il a vu qu'il fait trop froid ici, il dit je m'en vais en Côte d'Ivoire pour aller prendre un peu de soleil? Hein? Vous croyez que Zemmour est parti en Côte d'Ivoire parce qu'il vous aime? J'aime trop les Ivoiriens. Je n'aime aucun arabe. J'aime trop les Ivoiriens. Donc moi, Zemmour, aujourd'hui, j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire pour venir voir les Ivoiriens.
Vous croyez que c'est pour ça qu'il est parti là-bas? Pauvre Côte d'Ivoire. Pauvre Côte d'Ivoire. Quand est-ce que les Ivoiriens vont ouvrir les yeux? Quand est-ce que les Ivoiriens vont se rendre compte qu'il y a un démon sur les têtes qui ne les aime pas? Alassane Dramane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. On a vu des présidents qui aiment leur pays. Mais Alassane Dramane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Et quand les gens disent qu'Alassane Dramane Ouattara est burkinabé, Alassane Dramane Ouattara le prouve dans son comportement qu'il est étranger et qu'il n'est pas ivoirien. Parce qu'un vrai ivoirien ne peut pas détester autant son peuple. Un vrai ivoirien ne peut pas détester autant son peuple. Le comportement d'Alassane Dramane Ouattara prouve qu'il déteste les Ivoiriens. Si tous les Ivoiriens pouvaient mourir en un clin d'œil devant lui, pour qu'il ramasse les étrangers pour déposer en Côte d'Ivoire, Alassane va le faire. Mais ce n'est pas possible. On t'a donné à manger. On t'a donné à boire. On t'a donné habit. On t'a donné maison. Tu es couché avec ta femme. Tu fais ce que tu veux chez nous. On t'a regardé, on te regarde. Et tu continues de faire du mal aux Ivoiriens. Mais ce n'est pas possible. Et comme par hasard, le monsieur là, il ne sait pas il y a quoi dans son cerveau. C'est lui seul. En Afrique de l'Ouest, c'est lui seul qui fait des trucs bizarres, bizarres, parmi tous les présidents. Il se lève un matin et dit, c'est moi, il va recevoir Zemmour le premier. Parmi tous les candidats français, là, c'est Zemmour, Alassane Dramane Ouattara a vu. Sorcier connaît son ami sorcier. Vampire connaît son ami vampire. Méchant connaît son ami méchant. Assassin connaît son ami assassin. Mais c'est pas possible. Je ne voulais pas en parler, mais ça me fait mal. Ça me fait mal de voir Zemmour. Le Zemmour dont nous on parle en France ici, là. De le voir prendre avion et puis descendre dans mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est une insulte aux Ivoiriens. C'est une insulte aux Ivoiriens. Tu as pensé aux musulmans de la Côte d'Ivoire? Zemmour, tu n'as pas dit qu'il ne faut pas les femmes vont attacher leur tête. En Côte d'Ivoire, nos mamans musulmanes, elles attachent les têtes. Elles attachent les têtes. Alassane Dramane, tu n'as pas dit que tu es musulman? Tu n'as pas dit que tu es musulman? Tu n'as pas dit que tu es parti à la Mecque? Toi, Alassane Dramane Ouattara, tu es al-Hadji, tu es musulman? Zemmour combat le port des voiles. Zemmour est contre les femmes qui portent le voile, les musulmanes. Toi, Alassane, elle a dit, Alassane Dramane Ouattara, tu es le premier à recevoir celui qui est contre l'islam, celui qui est contre les lois de l'islam. Toi, Alassane Dramane Ouattara, tu es le premier, tu dis que tu es musulman, à recevoir celui qui combat la religion musulmane. Tu es quel genre de musulman? Tu es quel genre de musulman? Et quelqu'un qui combat ta religion, quelqu'un qui combat tes soeurs, quelqu'un qui combat tes frères, c'est toi, Alassane Dramane Ouattara, qui le reçois en premier pour prendre l'argent de ton peuple qui souffre, ton peuple qui a soif, ton peuple qui a faim. Tu prends leur argent et puis tu dis, tiens mon ami, va battre campagne. Tu crois que Zemmour est parti à Biguin, il va revenir les mains vides. Tu crois que Zemmour, là, nous on est bêtes, il est parti pour regarder ton visage. Il est parti pour regarder la mer, il n'y a pas la mer ici. Zemmour, il est parti pour contempler les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Depuis quand il aime un noir, il a prouvé au monde entier qu'il n'aime pas noir, il n'aime pas arabe, il n'aime pas étranger. Il fait quoi chez nous? Zemmour fait quoi chez nous en Côte d'Ivoire? Alassane, il n'y a que toi,
Pendant que toi, tu es là, là, que nous, les Ivoiriens, on voit des choses qu'on ne comprend pas. Mais il y a un Dieu pour les Ivoiriens. Il y a un Dieu pour les Ivoiriens. Il y a un Dieu pour les Ivoiriens. 2022, là, on est dedans. Si Dieu existe, 2022, si Dieu est assis sur son trône, 2022, s'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, Alassane Dramane Ouattara, la honte sera pour toi, la honte sera pour ta famille, la honte sera pour tous ceux qui te suivent, la honte sera pour tous ceux qui sont avec toi. Tu es vendu jusqu'à l'os. Tu n'es pas Ivoirien. Tu n'es pas Ivoirien, tu n'es pas Burkinabé. Les Burkinabés ne veulent pas de toi. Ce sont les Ivoiriens qui sont bêtes qui t'ont ouvert leurs portes. Tu ne nous aimes pas. Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Tu ne nous aimes pas. Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Tu manipules les Ivoiriens. Tu escroques les Ivoiriens. Tu utilises l'argent des Ivoiriens pour enrichir ta famille, pour t'enrichir, enrichir tes amis. Qu'est-ce que Zemmour fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Zemmour fait en Côte d'Ivoire? Tu vas l'établir ambassadeur ou ministre aussi un jour. De la manière que tu as pris Nicolas Sarkozy pour aller, comment on appelle, de mettre un blanc, un français, Nicolas Sarkozy, qui a été président de la France. Tu es parti le mettre ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Quelle honte! Quelle honte! Et tout ça, c'est l'argent des Ivoiriens. Tout ça, c'est l'argent des Ivoiriens. Tout ça, c'est l'argent des Ivoiriens. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a des mamans qui sont en train de pleurer. On veut de l'eau. On veut boire de l'eau. On n'a pas de l'eau. Toi, la santé, ça, tu n'entends pas. Les Ivoiriens pleurent. Le prix des condiments, le prix sur le marché, le prix de tout a augmenté. Ça, Alassane, tu n'entends pas. Tu as décidé de mettre une taxe tout dernièrement sur certains matériaux de construction pour encore prendre l'argent aux Ivoiriens, malgré leur souffrance. Vous avez cassé des maisons, d'autres sont dans la rue. Au marché, on ne peut rien acheter. L'électricité a augmenté. L'eau a augmenté. Les maisons sont cassées. D'autres cherchent de l'eau, ils n'ont pas à boire. Mais toi, tu t'enrichis. Ton gouvernement, les membres de ton gouvernement s'enrichissent. Vos amis s'enrichissent. Les Européens que vous aimez, que vous aimez, s'enrichissent. Et aujourd'hui, le démon de la France, le Satan de la France, celui que même les Français même rejettent, celui que même les Français même rejettent, ont vomi à cause de son racisme contre les Noirs, contre l'islam. C'est lui que vous recevez en France, en Côte d'Ivoire. Hein? Ceux qui sont les plus bêtes de la Côte d'Ivoire, ce sont les Doulas qui suivent Alassane Ouattara. Ceux qui sont les plus bêtes de la Côte d'Ivoire, ce sont les musulmans qui suivent Alassane Dramane Ouattara. Un jour, vous allez pleurer. Un jour, vous allez pleurer. Ceux qui pensent que Alassane Ouattara est leur sauveur, leur Dieu, ceux qui disent sont musulmans, ils sont du là, ils sont du nord, qui suivent Alassane Dramane là, vous êtes bêtes. Mais un jour, vous allez pleurer. Et ce jour n'est pas loin. Vous allez pleurer de vos yeux et vous allez vous rendre compte que vous avez suivi Satan. À part les étrangers qui ont des noms du là qui viennent en Côte d'Ivoire, qui se font payer, qui font comme ils sont ivoiriens là. Eux, c'est leur profit, ils cherchent. Ils savent qu'ils ont leur pays. Si ça ne va pas, ils vont courir pour aller chez eux. Mais vous, les Ivoiriens qui êtes du nord, qui êtes musulmans, qui êtes aveuglés, bêtes dans votre cerveau. Quand on parle, vous croyez que... Attends, vous suivez là. Vous allez pleurer.
vos enfants vont pleurer. Vous allez vous rendre compte un jour que vous avez fait une grosse erreur dans votre vie. Que Dieu soutienne la Côte d'Ivoire. Mais moi, je sais que le dernier mot appartient à Dieu. Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara. Sa fin, ça va faire pitié à tout le monde. Vous, sa fin, quelqu'un qui est méchant comme ça, qui fait du mal à son prochain, qui fait du mal aux pauvres, aux veuves, voilà d'autres qui sont là. Ils disent qu'ils sont musulmans, on casse leur mosquée, ils rigolent. Ils disent qu'ils sont musulmans, quelqu'un qui insulte vos femmes, vos mamans, quelqu'un qui vient dire qu'il ne veut pas qu'une femme musulmane attache ta tête et ta religion dit une femme musulmane doit attacher sa tête. Toi, tu dis que tu es musulman et tu viens ouvrir ta bouche pourrie ici pour défendre une cause. Quand on parle de cette personne, pour venir ouvrir ta bouche, quel genre de musulman? Un musulman vendu. Des musulmans buvaient de bière. Les musulmans buvaient de koutoukou. À bas, les musulmans buvaient de koutoukou. À bas, les musulmans buvaient de bière. À bas, les musulmans qui courent derrière les gantras. À bas, les faux musulmans qui ont rempli la Côte d'Ivoire. À bas, les faux musulmans qui ont rempli les maquis de la Côte d'Ivoire. À bas, les musulmans voleurs, les faux musulmans qui gâtent le nom des vrais musulmans. Un musulman ne peut pas venir dans ce direct pour ouvrir sa bouche. Un vrai musulman ne peut pas venir ici là pour ouvrir sa bouche. Celui qui dit les musulmans qui a ouvert sa bouche ici, c'est un maudit. C'est un vendu, c'est un dangadé qui ira à l'enfer. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. On est là, non? On est là. Vous croyez que Dieu est pressé? Vous allez voir. Vous croyez que Dieu est pressé? Dieu, c'est pas un homme. Faites vos malins, sautez comme des moineaux. Vous allez voir. Ça vous fait pitié, ça vous fait mal. Le temps de Dieu, là, c'est même pas loin. Vous allez voir. Vos bouches, là, quand vous ouvrez comme ça, et puis ça arrive, là, vous la fermez après, non? Vous allez voir. Zemmour, que la terre de la Côte d'Ivoire te maudisse. Zemmour, que la terre de la Côte d'Ivoire, ça met malheur sur ta tête. Que tu sois jamais. Je dis, que la terre de la Côte d'Ivoire te donne la poisse, toute la poisse. Parce que tu as mis tes pieds en Côte d'Ivoire. Tu détestes les Noirs, tu détestes les Arabes, tu détestes les musulmans. Toi, Zemmour, tu as mis tes pieds en Côte d'Ivoire. Que les ancêtres de la Côte d'Ivoire te maudissent. Que les ancêtres de la Côte d'Ivoire te donnent la poisse. Que le malheur que tu es parti chercher là, ça te suive partout. Si tu as pris l'argent en Côte d'Ivoire, que cet argent là devienne un poison, une bombe dans ta main, dans ta vie. Que ça te détruise jusqu'à la fin. J'en ai fini. J'ai plus rien à dire. Au revoir. Bataille le direct.